Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Le langage scientifique peut être traître. Il existe en effet de nombreux mots du vocabulaire courant qui sont utilisés en science avec des significations légèrement différentes. Ce phénomène participe à rendre moins claires les idées véhiculées par les scientifiques alors que la redéfinition de ces termes visait l'effet inverse. Et c'est un des problèmes en particulier que nous allons aborder dans cet épisode. De toutes les sciences, seules les mathématiques, qui sont les sciences de l'exactitude, ont la capacité d'atteindre le Graal en s'affranchissant des limites physiques de notre monde. Toutes les autres sciences, bien que se basant sur des modèles mathématiques, doivent composer avec l'imperfection de notre monde. Les mesures qui y sont effectuées sont donc entachées d'erreurs qui doivent être prises en compte afin de s'assurer de l'exactitude des modèles théorisés ou pour des raisons de sécurité parfois vitales. Et cette notion d'erreur est totalement absente des considérations des non-scientifiques. Cette mise sous le tapis des mesures d'incertitude peut être soit le fait d'une non connaissance de leur importance sur la confiance que l'on peut avoir dans la valeur donnée, soit d'être effacée volontairement et instrumentalisée pour appuyer ou déformer un propos. De tels exemples sont pléthores, que ce soit dans les sondages électoraux dont les affirmations sensationnelles sont bien moins sûres si les marges d'erreur sont prises en compte, ou lors des études fumeuses orientées politiquement et fortement biaisées qui viennent enflammer le débat public déjà explosif ou de façon générale lorsque des charlatans vendent des remèdes miraculeux ou des appareils révolutionnaires. Nous en avions déjà parlé dans l'épisode abordant la désintégration neutronique pour tenter de prouver l'existence d'univers parallèles, des mesures différentes pour des expériences similaires ne sont pas un problème en soi, tant que les valeurs mesurées par une expérience se retrouvent dans l'intervalle de confiance de l'autre et inversement. Dans toute mesure, il faut donc distinguer trois notions différentes la fidélité, la justesse et l'exactitude. Comme expliqué un peu plus tôt, en science, les mots sont utilisés avec des significations similaires au langage profane, mais appliqués à un domaine différent. La fidélité n'a donc ici aucun rapport avec la vie de couple, mais fait référence plutôt à la capacité de l'outil à donner toujours la même mesure à une même valeur. La justesse, quant à elle, fait référence à la capacité de notre balance à donner une mesure la plus exacte possible par rapport à celle qui doit vraiment être trouvée. Nous pouvons représenter cela à l'aide d'un tir à l'arc sur une cible et également à l'aide d'un tableau à double entrée. Le centre de notre cible représente la bonne valeur à mesurer et les impacts de vos tirs les valeurs que vous avez mesurées. Si vous n'êtes ni fidèle ni juste, vous toucherez la cible un peu partout comme si vous aviez visé au hasard. Une amélioration de la fidélité de votre tir aura pour conséquence directe de vous faire toucher cette dernière toujours dans la même zone mais pas nécessairement au centre a l'inverse, une amélioration de la justesse vous fera toucher la cible partout autour du centre de cette dernière, mais pas nécessairement au centre même de la cible. La situation recherchée est d'arriver à être simultanément juste et fidèle. Et dans cette condition idéale qui est appelée mesure exacte, la distorsion des résultats est non seulement faible, mais ces derniers sont proches de la bonne valeur qui est celle que l'on souhaite atteindre. Vous pouvez vous amuser par exemple à tester cette problématique sur des tablettes de chocolat où vous verrez alors que la répartition de leur masse représente une très faible dispersion autour de la valeur annoncée. Si faible même que vous ne serez peut-être pas en mesure de la détecter avec votre balance de cuisine. En effet, leur fabrication étant le résultat de machines industrielles parfaitement calibrées et testées, ce résultat n'est en soi pas réellement étonnant mais si en revanche vous reproduisez cette expérience avec des baguettes achetées en boulangerie, vous verrez des résultats bien plus intéressants. en effet, la dispersion est cette fois plus grande car les pâtons sont découpés manuellement et qui dit facteur humain dit forcément imperfection plus grande. techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que toute mesure, même effectuée par la machine la plus précise que l'on puisse créer, sera toujours entachée d'erreurs. mais si cette erreur est impossible à éliminer, elle n'est pas nécessairement problématique lorsque l'on est en mesure de la quantifier et la quantification de l'erreur devient aussi importante que la mesure effectuée pour l'exactitude de la science, et donne alors lieu à sa propre spécialité, la métrologie. Si l'ajout de l'erreur alourdit la lecture et peut expliquer son absence dans les produits courants, une telle absence dans les domaines scientifiques est généralement le signe d'un travail douteux. Cette absence, couplée à des affirmations loufoques, doivent être un signal d'alarme levant un doute sur les intentions qui risquent d'être de jouer sur votre naïveté ou vos biais pour orienter votre choix de manière subtile. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode sur l'erreur de mesure. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.